Bonsoir tout le monde, et bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Salut Erin, déjà présente sur le chat. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre mardi se passe bien, que vous n'êtes pas trop sous les eaux, ni sous la chaleur. Bref, que votre journée se passe bien ou s'est bien passée. Bon, pas après, ben, bon appétit du coup. Là, il fait trop chaud pour moi. Là, on a dépassé les 19 degrés, donc ça ne va pas. Donc, on voit que je luis tellement qu'il fait chaud. Donc voilà, on va voir si ça va aller pendant cette soirée de stream, si je vais pas décéder par la chaleur. Mais bon, j'ai un petit ventilo qui est juste là, qui tourne. Je sais pas, là, hop, qui est juste là. Petit ventilo USB histoire de me rafraîchir quand même pendant cette soirée, histoire d'avoir quand même un petit peu d'air. Donc voilà, ce soir on va faire un jeu donc de simulation stratégique qu'on avait déjà fait il y a 2 semaines. On finira à Drift la semaine prochaine très certainement, parce que voilà, on est proche de la fin et ce serait bien de voir la fin. Donc il s'agit d'un jeu édité et développé par Paradox Development Studio. Comme vous le savez peut-être, il s'agit de Stellaris. Stellaris, donc, voilà. Alors, charge est partie. Empire du best-of. Charger la dernière sauvegarde. Voilà. Hop, je change. Et c'est pas le bon jeu qui est prêt. Bien sûr. Évidemment, sinon. Et voilà, vous voyez le jeu. Alors, le système nous agrée là. Donc cliquez pour renommer. Non, non, on garde le système nous agrée. Bonsoir Psycode, bonsoir, bonsoir. Donc le système nous agrée est là. Alors là on est des... Faut juste que je me rappelle des touches. Ah oui, donc c'est la molette pour se déplacer et M pour la carte. Alors qu'est-ce qu'on était en train de faire? Oui, on avait pris d'Aroma histoire d'avoir un avant-poste pour contrer Satar. Enfin, même si... Passage rapide avant de bosser pour les examens de demain. Eh ben, bonne chance pour les examens, bonne merde à toi, Psycode, et courage, bien sûr, courage. Donc, on était en train de prendre Nunki, histoire de pouvoir quand même avoir un passage, et ça, je me rappelle, pour pouvoir quand même passer et pour pouvoir continuer à explorer, etc. Nos vaisseaux scientifiques, donc, Shurtugal et LGX qui faisaient de l'exploration. Et on avait, donc ça c'est la colonisation de la planète qui commence, et alors on avait un deuxième vaisseau de colonisation qui se préparait pour prendre Codria pour pouvoir s'étendre, donc pour pouvoir sauvegarder notre passage là et pouvoir avancer comme ça. Ok, donc voilà, là on est bon, ça c'est nos quêtes qu'il faut faire, qu'on arrivera un jour. Là on se déplace doucement. Ah, il y a un vaisseau de... Il y a un truc là. Ok, il y a Brisilis qui est juste là. Ce système contient des planètes non reconnues par notre empire. Ok, intéressant. On ira voir Landen. Parce que là, on peut y aller. On peut aller jusqu'à l'inconnu là. Et puis, pour le moment, on ne peut pas passer dans les planètes sur le côté. Oh, un trou noir à aller. D'accord. Et pareil par là. Hein. Si on prend... Ah, non. Alors, retour à la map. Voilà. Si on prend Shurtugal, voilà, il peut pas aller par là, donc tant pis. Qu'est-ce qu'on avait ici? J'avais vu une anomalie. Là, il y a une anomalie. EGX, 27% d'échec. Et changer de scientifique, Shurtugal à 17%. C'est chaud, quoi. C'est une anomalie de niveau 1, pourtant. Les capteurs ont détecté une activité inattendue à un emplacement précis de la surface gelée. Bon, allez. Wow. Ah, il doit faire... What the fuck? Hihi. Tu peux pas juste aller là et puis faire le projet de recherche? Recherche. Ce vaisseau exécute déjà cet ordre. Alors. D'accord. Tu vas là, puis tu vas là. Et là, tu fais projet de recherche. Voilà. Et tu ne fais pas tout le tour dans tous les sens comme tu avais l'air de le faire. Bon. Bah pour le moment, là, on est bien. J'ai envie de dire, voilà. C'est parti, play.
Empire non identifié a déclaré la guerre à Rotor Concordat. Ah, c'est bien, ça commence bien. Donc, le Rotor Concordat, c'est eux. C'est les xénophobes, machin. Pourquoi vous avez la parole, Rotor Concordat? Que voulez-vous demander à l'Empire du Best-of? Alors, c'est individualisme, xénophobie fanatique. Ouais, donc, ils aiment personne, eux. Déclaration de guerre. Et flotte hostile présente. Où ça? Ah ouais, mais... Faut que tu fasses ton saut, mec, hein. Posture de flotte passive. Ouais, ouais, tu vas passer, puis tu vas faire ton saut directement. Hein. Toi, t'inquiète pas. Alors, SGX, lui, il continue à analyser. Il continue à analyser. Il a trouvé que deux recherches d'ingénierie. C'est pas grand-chose. On en est dans les technologies. Bon, ça continue à rechercher, ici. Ok. On a plus 20% des frontières, ça va être cool, comme on le sentait. Capacité de stockage des minéraux, ouais, ok. Ah, on a plus que 1 d'énergie, ah. Aha. Va falloir voir si on peut pas améliorer des trucs en surface. On peut pas améliorer grand chose. Hein. Là, on peut... Toi, tu vas là et tu vas me construire une centrale électrique. Toi, tu vas améliorer là. En capitale planétaire. Ouais, je sais pas. Il y a le temps. Allez, vas-y. Construis-moi la capitale planétaire ici. Ah oui, c'est vrai qu'on est à plus 1 parce qu'en fait, on colonise. Et quand on colonise, ça prend du temps pour... pour le faire, ouais. Alors. On a fini la construction. La file d'attente de construction. Ah ouais, c'est parce qu'en fait... On a notre vaisseau de colonisation et notre vaisseau de colonisation bouffe de l'énergie. Mais c'est pas grave, on va tout de suite lui dire d'aller ici et de coloniser la planète. Ah. Alors, c'est une planète immense, hein, comme on avait vu, c'est une planète à 25, c'est ça, hein. Ouais, voilà, c'est une planète à 25 cases, donc une planète gigantesque, mais qui a énormément de cases bouchées qu'on ne peut pas encore boucher. Je pense que je vais mettre la planète ici, comme ça on va avoir un bonus de production énergétique. Je pense que c'est le mieux, on va lui dire colonise la planète là-bas. Et voilà. Donc pour le moment, ça se passe bien. La flotte, elle doit se faire améliorer. Non, ça va. Elle doit pas encore se faire améliorer. Donc pour ça, ça va. Là, on a des pertes, je sais. Alors, on a LGX, lui, qui analyse tout ça, et Shurtugal qui va analyser l'anomalie de niveau 1. Bon, c'est bien. Alors, l'Urgipash, dans 7 mois, elle sera colonisée. Donc ça, c'est parfait, c'est très bien, c'est cool. Et voilà, Codria, ouais, je sais. Ah, rivalité. Le Zeptadron Associated Nation, donc c'est eux. C'est ça, voilà, donc c'est eux considèrent que eux est le rival, d'accord. Bon, pour le moment, c'est pas encore trop, on est d'une force équivalente, on est des potes, et si on demande une vassalité, ils sont pas du tout d'accord, demande à être leur vassal, ils veulent pas, et invité dans la guerre, ils veulent pas non plus. En fait, le mieux, ça serait... Ouais, on a une force de 481, c'est de la merde, quoi. Mieux vaut rien faire et dire on construit des... On peut pas faire de destroyer. Oh, merde. On peut que faire des corvettes. Bon, bah, construis-moi 4 corvettes, alors. Ah oui, c'est vrai que si on a que des corvettes, on a vraiment un... On a vraiment une flotte qui est pourrie, quoi, j'ai envie de dire... C'est pas super glorieux. Bon alors. Ça va, Shurtugal, Shurtugal. Ah, LGX, 7%. Nous recevons un faible signal émanant de la surface de cette lune. La source semble provenir d'une sorte de balise de repérage. Allez, 7%, il y a moyen de rechercher. Tu peux le faire. Le vaisseau de colonisation, ici, il se déplace. C'est bien, tranquille. La première flotte, on va lui dire de rentrer. Voilà. Ils sont rentrés, là ça continue de s'étendre, tout va bien. Et puis après...
Voilà, Surtugal, il va... Bon, on va réunir la flotte 2, enfin la flotte 1 et la flotte 2. Alors, elle est où la flotte 1? Elle est là, d'accord. Flotte 1, ouais, on va attendre que toutes les corvettes soient construites d'abord avant de faire un regroupement, parce que sinon ça veut dire qu'on va regrouper une, puis on va regrouper une, puis encore une. Ça va être relou, ça va être long. Voilà, là on perd 9. Ah, je suis en vitesse normale. Voilà pourquoi est-ce que cet élan j'étais là. Bah, franchement, pour aller plus vite. Alors là, il y a des placites Léviathan. Ok, alors. Ancien marqueur d'exploration. Un petit émetteur de courte portée a été repéré à la surface de Hydrata. Itara 3. Ah, il semble être un ancien marqueur d'exploration. Les mineurs auxquels il était destiné ne sont jamais présentés, comme on a déjà vu. Fascinant. 4 d'énergie pour la planète, c'est bien ça. Et le leader scientifique Phenomens est passé au niveau supérieur, niveau 3. Félicitations Phenomens, bravo à toi. Ah oui, donc ça c'est le placide machin qui se déplace de zone en zone. Hein. Alors, oula, Salé. Conformément à la mission qui lui était confiée, le vaisseau scientifique Beojuche a tenté de trouver des signes d'activité... à la surface gelée de Jurmac 6, mais celle-ci n'abrite manifestement rien d'autre que de la glace et de la roche. Toutefois, l'officier scientifique Surtugal, à la fois fin gourmet et passionné d'histoire, eh ben, Surtugal, je savais pas que t'étais fin gourmet passionné d'histoire, prétend y avoir fait une importante découverte. Un composé chimique trouvé dans la glace de différentes régions de Jurmac 6 semble très proche du sel stellaire bestofien. Un ingrédient utilisé dans de nombreux plats traditionnels bestofiens est très rare sur In Memoria. On a longtemps pensé que le sel stellaire bestofien n'était pas originaire de notre monde natal, mais qu'il avait jadis été apporté par des météorites. Putain, le mec, il est fin gourmet, il s'y connaît dans l'histoire du sel. Il pèse, quoi. la découverte effectuée par l'officier scientifique sur Jurma 6 donne du crédit à cette théorie, mais Surtugal s'appuie davantage sur les propriétés décrites dans les livres de cuisine antérieurs à la chimie moderne pour démontrer ce lien salin. Finalement, peu importe si le sel analysé et synthétisé a ou non le goût du sel stellaire des anciens, la découverte de l'origine de cet ingrédient traditionnel va stimuler l'économie et les palais bestofiens. Waouh, on a trouvé du sel, les gars. Savoureux, modificateur, un peu de sel, ajouté pour 60 mois, donnant des effets suivants, plus 5% de bonheur. Que dire, on a trouvé du sel, les gens sont contents. Bon, bah très bien. Ah, et du coup, on peut... ici, on peut construire des trucs. Écoute, si on peut construire des trucs, go, hein. Sérieux. Enfin, je peux pas construire les trucs. Ah non, c'est vrai que quand c'est... Waouh, attends. Mais il me semblait que quand c'était... Mais enfin... Je peux rien construire. Mais pourquoi je peux rien construire? Ah mais non, parce que c'est pas lui. Oh là là, je suis bête. Forcément, c'est pas lui qui peut construire. Lui, il peut faire que explorer. N'importe quoi. Donc, toi, tu vas aller m'explorer la reconnaissance du système là. 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 Et LGX. Putain, on a trouvé du sel, quoi. Tu vas me reconnaître le monde là, là. Et là, on connaît? Non, là, on connaît pas ce qu'il y a. Tu vas me reconnaître le système là aussi. Date sur tu. Ah, clairement, Erin, date sur tu. Il n'y a rien à dire. Alors, on a... Rivalité, donc le Concordat considère... Ouais, c'est ça, donc lui, il considère que lui, c'est son ennemi. Non, c'est son rival. Leurs relations diplomatiques vont sérieusement se dégrader, d'accord. L'ordre de flotte est terminé. J'ai le ventilo qui s'éteint. Ah oui, j'ai mes 4 corvettes, donc on va pouvoir les fusionner. On va tout de suite dire, toi plus toi, fusionner, voilà, comme ça ils sont leur ordre. Scientifique Nirao est passé au niveau supérieur, niveau 3, GG Nirao. Et construction terminée, la file d'attente de construction de In Memoria est finie. D'accord. Du coup, on en est où dans les recherches? Non, les recherches, il nous reste 6 mois avant la vitesse d'exploration. Mais pour le moment, ça va. On a notre monde qui... ouais. Sur qui?
C'est où là? Ah ben c'est là. Sur Nunki, ça y est, on a notre premier monde. Oui. Oui, on a notre premier monde colonisé. Félicitations, bravo les gars. Alors pourquoi est-ce qu'on peut pas? Parce qu'on n'a pas de constructeur de masse et n'a pas de missile nucléaire. Bon bah ok, on va faire un module de défense laser, construire un spatioport dans un module laser, hein, très bien. Alors la surface, on avait quoi encore comme surface? Ah ouais, ça va encore. La surface là, ça va encore. Alors toi, je vais te dire d'aller... Ouais, prends d'abord ton expansion ici et fais-moi une centrale basique, voilà, pour commencer tranquillement. Et voilà. On n'a pas forcément besoin d'avoir tout de suite de la bouffe, mais avoir de l'énergie, c'est un peu vital, c'est un peu critique. Donc pour ça, on va se concentrer sur, sur la bouffe. Alors le vaisseau... Alors on a... En plus, on a nos frontières qui... Ah non, pas encore. J'allais dire, nos frontières se sont augmentées. Non, pas encore, c'est dans 9 mois qu'ils vont s'augmenter. Ceci dit, on peut déjà lancer la construction de cités minières, enfin de minières, de trucs minières ici. Et là, on voit que l'influence de Codria commence à augmenter aussi fortement. Hein. Bon, on n'a pas le truc qui grappille ici, mais on le bouffe un peu quand même. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est même très 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 bien. Une fois qu'il aura construit là, ici c'est... Ça se trouve dans l'Empire du Best-of. Oh là là, ça c'est... Ok, attendez, il y a une flotte. GG, ouais, merci pour le GG. Alors, il y a 5, 2, 2, 2. Donc, il y a 5 d'énergie, 2 de minéraux, 2 de recherche scientifique et 2 de recherche d'ingénierie qui sont prêtes. Ça, c'est aussi... c'est vraiment pas mal du tout. Donc, qui aide... Et c'est dans l'Empire du Best-of. Donc, une fois qu'il aura fait Jurnast, on va lui dire... déplace-toi. Ah oui, on peut pas lui donner d'ordre pendant qu'il est en truc. Alors, il y a une flotte ennemie qui est ici. Non, mais non, t'inquiète. Ils te feront pas de mal. En théorie, eux, ils te feront pas de mal. Toi, tu vas me... C'est qui? Ah, c'est Surtu. Non, Surtu, il fait... C'est vrai, Surtu, lui, il fait que passer. C'est vrai, c'est vrai. Pardon. Situation log updated. Alors, construction terminée. Donc ça, c'est Lurgi Pache qui me dit que on a fini de construire ici. Donc la centrale basique, mais il faut que la population soit complète pour pouvoir en profiter. Donc ça, c'est normal. Événement, rencontre en Nikanda. Ah, on a rencontré des lambda aliens dans le système de Nikanda. Donc, veuillez, s'il vous plaît, rechercher, faire des recherches. Bah, go, hein, ça demande pas grand-chose. Bon, il y a nos expansions de frontières qui vont prendre un peu de temps, mais... Oh, c'est pas trop trop grave, hein. c'est pas dramatique. Ok, on a fini la recherche sur la vitesse d'exploration, débloque le composant capteur subspatiaux, des capteurs qui détectent des fluctuations subspatiales laissées dans le sillage des vaisseaux stellaires, leur sensibilité et leur portée est supérieure à celle des capteurs. Ok, ça c'est parfait. Et alors, on peut lancer une nouvelle recherche. Alors, c'est des disrupteurs atmosphériques de Satra même. Ce gaz est un stimulant naturel. D'accord. Délai de croissance moins 15%. C'est pas super. Là, on débloque le composant disrupteur. Lance des carreaux énergétiques qui affaiblissent et détruisent les liens moléculaires qui maintiennent les atomes de la cible ensemble. Ils sont particulièrement efficaces contre les boucliers. D'accord. Ou là, on a des centrales de l'évolution de centrales électriques. On va plutôt prendre de l'évolution de centrales électriques histoire de pouvoir bien booster nos crédits énergétiques. Histoire d'être vraiment au top sur ce niveau-là. Alors... LGX lui, il explore les trucs et là la flotte neutre. Ah, il explore aussi. Ah, donc on a trouvé quelqu'un qui comme nous il parcourt les zones et il explore. D'accord. Bon. Alors ici on a 6 de crédit énergétique. Là il y a une flotte ennemie. Ouais, c'est toujours les nuages spatiaux Xul, hein, qui sont pas vraiment dangereux. Donc c'est pas non plus trop dramatique.
ici il y a la construction. Ah. Alors il y a plein de choses qui se passent en même temps. Alors ici on a donc les minéraux qui continuent de se faire. Ici Codria, c'est bon, on a notre planète qui est colonisée. Ça y est, c'est fait, on va construire un spatioport. Nous n'avons pas les moyens de construire un spatioport, pourquoi? Coût 288, oh bah on attend un petit mois et ça sera bon, voilà. Hop, on construit un spatioport tout de suite. Comme ça c'est fait, alors après avoir réussi à traduire leur langue, nous avons établi des communications avec les Great Phothexian Foundation. Les canaux diplomatiques sont maintenant ouverts et toute hostilité ont cessé. Ok, ils sont où? Ah ils sont là! Ah oui, donc eux ils se déplacent déjà de là à là. Ah ouais, oh putain ils sont chiants. Bonjour. Le Great Foundation a entendu votre vulgaire raw infidèle parasite, que voulez-vous? Ah oui. Ils sont xénophobes, ah oui d'accord, forcément. Xénophobes, militaires et spirituels. Ouais, ben ils sont xénophobes, on va pas trop aller les faire chier, on va être là. Ouais, non, tranquille, peinard, bonjour. On vous salue de loin, on reste zen, tranquille. Voilà. On se prend pas la tête, c'est pas la peine. Alors en surface, on a la population, non, la population, d'abord la centrale, hein. Et après, on verra bien où tu... Ah. Merde. Oh non, il nous... Oh non. On va le perdre. Non, non, non. Casse-toi. Vite. Toi, va ici. Non. Faut pas qu'on le perde. Faut pas qu'on perde Algix. Mais non. LGX, barre-toi. Non, pas par là. Battre en retraite. Vite. Oh putain, on a failli perdre LGX. Premier contact avec le Great. Retenez ce message alien. Je représente le Great Phothexian Foundation que dirige l'illustre arc-prophétesse Jugorai. Jugor premier. Nous régnons sur notre espace sous mandat divin et tant que notre semblant de culture respectera notre que votre semblant de culture respectera notre confession, nous serons en paix. Nos citoyens vous saluent. Bonjour à vous. Et toi, bah, tu vas aller tout de suite te faire réparer. Hein, parce que là... Ah, je savais pas qu'ils étaient agressifs comme ça. Bah attends, on va amener la flotte et on va tout de suite lui montrer de quel bois on se chauffe, quoi. Et oh, faut pas rigoler, hein. Sous notre gueule comme ça, ben on va le défoncer. Hein. Alors le jeu est en pause, voilà. Donc nous, on est en train d'entourer complètement cette dite union. Voilà, sans vergogne, vraiment. On s'en fout complet. Et ensuite, ouais, donc notre flotte va aller défoncer la gueule de ce gars. Lui, il a fini la construction. C'est parfait, du coup, on va le déplacer ici pour lancer la construction de tous les trucs. LGX ici, il a fini, il n'y a que 6 de minéraux, bon, c'est pas exceptionnel. Igarian Foundation considère Zephratog... What? Ah, on a découvert les Igarian Foundation en même temps. Intéressant, donc, comme rival. Ah non. Donc lui considère que eux sont des rivaux. Parce que à mon avis, eux et eux, ils sont associés. Si on regarde... Ils sont en guerre... Ah oui, ils sont en guerre avec les Igarian Foundation. Ah oui, d'accord. Waouh. Alors ils sont les... En fait, eux, ils sont les rivaux de lui et lui. Lui, il est le rival de lui. Et lui, il est en guerre contre lui. Ok, donc eux... On va les laisser se taper les dessus là et on va juste consolider nos défenses histoire d'être sûr que tout va bien. Nous avons reçu un communiqué d'un empire spatial jusque-là inconnu, le Igarian Foundation. Ah oui, donc eux. Les auteurs de ce message disent avoir appris notre existence en écoutant les communications d'un empire avec lequel nous sommes en contact. Intéressant. Bah oui, c'est eux. Et donc, salutations aliens. T'as vu ta gueule?
Je me présente, je représente le Yara Foundation que dirige l'illustre Arche Prophète. Nous régnons sur notre espace au mandat divin, et tant que vous restez à l'écart de notre civilisation, nous serons de nos affaires spirituelles, nous serons ravis d'en apprendre davantage sur votre culture. D'accord. Et alors ils sont quoi? Ils sont collectivistes, xénophiles et spirituels. D'accord. Allez, force de frappe supérieure. On va essayer d'être potes avec eux. Nos citoyens vous saluent. Hein. Voilà, nos citoyens vous saluent et on va établir une ambassade. Parce que bon, histoire que on se fasse pas trop marcher dessus, hein. J'ai envie de dire, histoire de pas trop prendre la sauce. On a fini la construction de quoi ici? On a fini la construction de la centrale. Ah! Oh! Attention, alors là, on a nos recherches terminées sur l'étendue de nos frontières plus 20%. Débloque le renseignement données de reconnaissance, nous permet de voir les données de reconnaissance d'autres empires sur la planète au sein de leurs frontières. Ok, nouvelle recherche, alors capacité de leader plus 2, biolaboratoire ou capacité navale plus 10%. Coût des décrets moins 15%. Capacité de leader de l'Empire. Ah, ça serait pas mal ça. Et Nirao, lui, il a fini capacité de stockage pour faire les destroyers. Ça y est, on peut enfin faire les destroyers, mais ça requiert un spatioport de niveau 3. Mais on peut faire les destroyers. Propulseur à plasma, une forme avancée de propulsion électrique. Les propulseurs à plasma permettent de meilleures vitesses sous luminique et une meilleure maniabilité. Ouais, go. Ça peut être vraiment bien. Du coup, maintenant, ça... Ah, c'est toujours chez eux. Qu'est-ce qu'ils ont perdu? Ils ont rien perdu du tout. C'est juste que nous, on a consolidé notre avance là. Et là, on a ça ou pas? Ah, on l'a pas encore. C'est pas trop grave. Si on continue d'améliorer un peu notre système, on va pouvoir la choper. Niveau de renseignement bas. Ah tiens, on n'avait pas exploré les deux là, d'accord. Alors la première flotte, elle est en train de se déplacer par là. Et on a aussi... Attends, la première flotte va là d'abord. Le vaisseau scientifique. Ah oui, tu fais rien du tout toi du coup. LGX, toi tu vas là après. Du coup, toi va explorer là. Ah bah tiens, attends. Reconnais-moi le système là. Et puis ici. Ensuite, la première flotte, c'est ça, hein? Oui, voilà. Nous avons détecté des machins, trucs. Nous avons une force de 612. Go l'attaquer. Et in memoria, pendant ce temps-là, toi, tu vas... spatioport. On peut rien faire en module en plus. Tu vas me construire des destroyers qu'on ne peut pas, parce qu'il faut un spatioport de niveau 3. D'accord. Et pour améliorer, il faut 362 minerais. Ok, bon, ben, on va attendre. Attention, la guerre est engagée. Ah, ils arrivent, hein. Ah, l'entité nuage, là, il arrive. La file de In Memoria est maintenant vide. Ouais, t'inquiète. Il nous manque encore un ici, deux là. Tranquille. Alors, c'est parti pour l'entité des nuages. Ça donne quoi? Ça donne qu'on est en train de le massacrer là. Ok, alors. Projet minuté, très bien. Alors les Zebdragons considèrent les Igarian comme leur rival. On a les statistiques de combat et recherche terminée. Plus 20% d'énergie. Et comme ça on a nos centrales de niveau 2. Ok, nouvelle recherche. Est-ce qu'on part sur... Non, on part sur la solidité des fortifications planétaires plus 20%. Ça, c'est pas mal du tout. Débloque les déflecteurs améliorés. On va avoir des boucliers en plus maintenant. Donc ça, c'est parfait. Et donc là, on a un projet qui est minuté. Du coup, LGX vient... Non, c'est LGX. Ah oui, c'est LGX. LGX vient faire un... Qu'est-ce que t'as? L'exploration de Tosingi 3 a révélé que certaines régions de la planète abritent une proto-civilisation alien primitive. Nos sondes
indiquent que leur culture néolithique a acquis la maîtrise du feu et développé une... Ouais, bon. Mais nous ne savons pas si elle a accès à la métallurgie ou aux communications. Non, t'inquiète, si elle vient juste... nous n'avons pas accès à ce système. Comme ça, nous n'avons pas accès à ce système. Toi, viens ici. Viens faire une reconnaissance du système, mais avant ça, tu me fais d'abord le projet de recherche, et puis après, tu me fais la reconnaissance de ce système-là, maintenant que ça, c'est complètement libre, et puis tu retourneras faire le système-là après. Hein. Voilà. Pas trop dur de la feuille, non plus. Alors, le vaisseau de construction, lui, il glande, là, il fout rien du tout pour le moment. On va construire toutes les stations minières, comme ça, on a 5 de crédit énergétique et 2 de minéraux en plus. Ça, c'est très bien, c'est parfait. Ici il faudrait qu'on aille construire tout ce qu'il y a là aussi après. Pour le moment, donc ça c'est parfait, tout se passe bien de ce niveau là. On a ici donc Chatip qui s'étend. Voilà. Alors on peut pas construire. Non, j'allais dire, ah, on peut faire le spatioport de niveau 3, non, parce qu'il nous manque de la thune. Bon, c'est pas trop grave. Donc là maintenant les choses vont s'accélérer un tout petit peu, je pense, j'espère. Ici on va faire une ferme hydroponique, on va perdre le minéraux, mais c'est pas trop grave, on est déjà à plus 38. Hop, voilà. 5% d'échec. Un ancien chantier orbital dérive en silence au-dessus de ce monde. Il a subi d'importants dégâts et s'avère partiellement détruit. Fais-moi la recherche. T'as que 5% d'échec, c'est pas non plus trop la mort, hein, pour l'échec, c'est... Bon, il y a moyen, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Construction de station minière de l'homme, ouais, d'accord. Toi, tu te déplaces pour refaire ta recherche. Alors, flotte ennemie engagée, en effet, il y a l'entité du nuage qui est tout de suite là et qui attaque instant, et ça, c'est nos vaisseaux de la flotte. Attaque tout de suite. Alors, on a analysé les débris. Très bien, nous avons analysé les débris du système. On a conduit de foot plus 20% de progression, c'est parfait. Plus 10% de coque régénératrice, plus 10 points en recherche physique et plus 5 points en recherche société. C'est parfait, c'est vraiment bien. La flotte a terminé la construction d'une station minière. Anomalie a découvert une anomalie. Qu'on est en train de rechercher en ce moment, le système a été sondé, la flotte et combat en cours, qu'on est en train de gagner. Et on a perdu un vaisseau. Ah merde, on a perdu un vaisseau. Ça c'est con. La flotte a ses points de vie maximum et on peut améliorer la flotte. Bah go, allez vous améliorer. Si on peut améliorer la flotte, allons améliorer la flotte. Alors, d'abord, toi, tu me fais le projet. Maintenant qu'on a là, qu'on a clean ici, tu me fais le projet de recherche là. Ensuite, tu vas me faire la reconnaissance du système. Et puis, tu vas me refaire la reconnaissance du système ici. Amiral Edith Seto est passé au niveau supérieur. Il a 2 points de compétence. Félicitations, Edith Seto. Vitesse éclair. Ok, il est vitesse éclair. Très bien. Et il a 54 ans. Ah, il est vieux. Enfin, il commence à être vieux. Ici, tout va bien. Là, on a notre station minière là sur Nunki qui est construite. On va. Alors. Ah merde, lui aussi, il a étendu ses. Je sais pas si vous venez de voir, mais là, pouf, les frontières viennent juste de s'agrandir. Ça, c'est chiant. Chantier spatial automatisé. Ah. Alors qu'il explorait. Nodar va, le Béojuche, a repéré les vestiges d'un ancien chantier spatial automatisé en orbite. Il date d'au moins un millier d'années et semble avoir fait l'objet d'un barrage de missiles lourds. Mais l'une de ces baies de production est toujours en état de fonctionnement. L'officier scientifique Shurtugal espère pouvoir mettre le chantier en marche, ce qui constitue un projet d'envergure. Situation log updated. Allons-y, faisons ça. Réparer le chantier naval. Bah, suivre sur la... attends. C'est où? Suivre sur la carte, là. Allez. Bah, c'est bon. Non, non, non. Fais le projet de recherche. Ouais, go. Fais demi-tour. Tu feras les analyses des systèmes bien après. T'en fais pas, il y a le temps pour ça. Il faudrait qu'on pense aussi à augmenter un peu nos trucs de recherche. Et toi, t'arrêtes de t'étendre, hein. Je m'en fous, j'ai ma planète qui est là, mais quand même. Calme-toi.
Alors il faudrait qu'on... Alors sur In Memoria, est-ce qu'on peut construire... Alors c'est quoi? Le Great Prophetian Foundation. C'est qui? C'est eux. Considère désormais Empire non identifié comme son rival. Ok, d'accord. Attends que nous, on n'est pas considéré comme rival de quoi que ce soit, c'est très bien. Tant mieux, restons comme ça. Alors là on peut voir qu'on a énormément de centrales à améliorer. Non, je vais attendre parce que il faut améliorer le spatioport de niveau 3. Voilà, c'est parti. Le spatioport de niveau 3 est lancé. Comme ça, on va pouvoir construire des... Après tout, on peut améliorer. Hein. Ouais, ça coûte... Ça coûte... 90. Donc voilà, on va pouvoir construire des destroyers histoire d'avoir une flotte un petit peu plus forte. Hein, un petit peu plus robuste. Robuste, tout simplement. Voilà. Donc ici, tout va bien. Là, on a nos gars qui s'améliorent. On va peut-être construire une corvette en plus, d'accord. C'est toujours ça de prix. Et mais t'arrêtes de t'étendre. Alors, les débris ont été analysés. Du coup, on a encore plus 20% dans les conduits de foudre, plus 10% de coque régénératrice, plus 10% de recherche et plus 5% de société. D'accord. Hop, encore une rivalité. On a une ambassade ici. Ah ouais. On proposer un accord commercial. Alors, si je te fais une convention de recherche, c'est une convention de recherche. T'as l'air d'être content. Special project. Alors, la convention de recherche, pour vous dire ce que c'est donne à l'autre partie moins 25% de réduction sur le coût des technologies que l'Empire du Best-of a déjà recherché pendant la durée de l'accord commercial. Donc, en fait, on va dire pendant 15 ans. Et pareil pour eux. Donc, forcément, on va leur dire, ouais, ben, nous, on vous donne 25%, ben, donnez-nous 25% aussi. Et comme ils ont à plus 10, on va leur dire, non, donnez-nous des minéraux aussi, transfert instant. Ah non, ils aiment pas. Ouais, bon, on va leur dire, voilà, on leur donne des trucs, comme ça ils sont contents. Projet spécial a réussi. Ah, la bonne nouvelle. L'officier scientifique Shurtugal a rétabli l'alimentation du chantier spatial automatisé au-dessus de Nordak 5A. L'installation a été immédiatement reprise du service et achevé la construction d'une frégate avancée de conception inconnue à l'aide des matériaux à sa disposition. What? Une frégate avancée. Hélas, elle est tombée en panne sans qu'il soit possible de la réparer. Nous avons assigné un équipage à ce nouveau vaisseau et celui-ci a rejoint notre flotte. Oh, trop bien, on a deux vaisseaux en plus. L'officier Shurtugal est passé au niveau supérieur et a acquis la caractéristique expertise industrie. Bon pour elle. Ah. Ok, Shurtugal, t'es une fille en fait. Ok. Bon. Bah désolé, Shurtugal. Hein. Tant pis. Non, attends, toi, va ici. T'as fini d'analyser le système? Ouais. Ouais, t'as de la chance d'avoir fini d'analyser le système. Reconnais le système là, puis celui-là, puis celui-là. Tandis que New Ship 2, c'est bien, on a deux vaisseaux en plus. Hop. Pendant ce temps-là, elle est où ma première flotte? Ah, ma première flotte est là, ok. Du coup, toi, va là. Voilà, tout simplement. Pendant ce temps-là, lui, il continue de construire tous les trucs. Sur la surface, qu'est-ce qu'on a? Construction complete. Pour le moment, tout va bien à la surface. Alors, offre d'accord, nous serons ravis de conclure un accord commercial avec vous. Convention de recherche, c'est parfait, nice. On a donc notre convention de recherche qui est faite. Et ok, la VOD est super longue déjà. Donc on va marquer une courte page de pub. Ne bougez pas, restez là. On se retrouve dans 3 petites minutes. À tout de suite.